rapidement, d'abord la perspective, ben, d'abord merci, hein, donc je répète, je suis ravie d'être ici depuis le Québec, où il est assez tôt encore ce matin. Alors donc, la perspective disciplinaire, elle n'est pas psychologique, puisqu'on a tendance souvent à avoir une approche très psychologisante du selfie. Alors moi, je vais avoir une approche à la fois sociologique, mais aussi sémiotique, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de se développer à travers les applications de messagerie sociale, dont notamment le selfie, c'est assez intéressant du point de vue de la culture visuelle et de ce qu'on appelle la sémiotique en général, c'est-à-dire qu'on a, voilà, je vous expliquerai tout à l'heure, mais on a des agencements du type sémiotique assez inédits. Voilà. Et ensuite, du point de vue social, eh bien, on va s'intéresser bien sûr à la fonction sociale, si on peut être fonctionnaliste, que pourrait avoir le selfie. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas une approche qui va essayer d'expliquer le selfie du point de vue psychologique. Donc, moi, ce que je réalise comme type de méthodologie, c'est. Donc, la sociopragmatique, c'est-à-dire à la fois des entretiens, des observations et de la collecte de corpus en situation, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir des informations de production et de réception par exemple, du selfie, de comprendre dans quel contexte il a été réalisé, à quels usages, etc. Donc, j'ai une approche socialisée du selfie, même quand ensuite il s'agit de l'analyser en tant que tel d'un point de vue sémiotique. Pour ce faire, ben, je réalise des entretiens dans le cadre de CDI, d'une part, le Centre de documentation d'information, et ensuite, évidemment, je me lie avec les élèves voilà, qui ont participé à l'enquête, et aussi ce qu'on appelle de l'observation sur notamment les réseaux sociaux à travers des tags, donc aussi de l'aspiration de tags, donc qui là suppose aussi des traitements un peu plus quantitatifs. C'est-à-dire, quand on est sur des milliers ou des millions de types de contenus, des tweets, etc., là, on peut travailler sur des logiciels d'analyse sémantique. Voilà, donc c'est parfois un peu de quantitatif qui est supposé être plus adéquat. Ensuite, par ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle Labo Citoyen, et donc je suis en résidence au Carrefour numérique de la Cité des Sciences pour réaliser des capteurs environnementaux do it yourself. Donc ça, c'est un petit peu une autre activité, mais qui est aussi une façon de ne pas documenter en permanence ce que j'appelle l'ambivalence des cultures numériques, hein, ce que en son temps Edgar Morin avait mis en évidence, c'est-à-dire la culture populaire. Elle a cette dimension ambivalente. Et donc, plutôt que de se navrer du pseudo-narcissisme des élèves, qu'en effet, les plateformes sont prédatrices de données, là, donc plutôt d'avoir un discours et de faire carrière sur finalement la vérification de la marchandisation, etc. Comme disait Rancière à propos de la sociologie de Pierre Bourdieu, qui consistait bien sûr à documenter l'inégalité et la reproduction sociale, mais aussi à la vérifier. Eh bien voilà, on va vérifier en effet cette dimension de marchandisation et de captation qui sont à l'œuvre aujourd'hui avec les réseaux sociaux numériques. Bon, mais ça a vertu heuristique, mais on ne peut pas complètement, d'un point de vue de citoyen, s'y complaire. Et donc voilà, j'ai développé une association qui essaye de développer un autre numérique, en fait, dans la voie qu'on appelle les makers du do-it-yourself, qui se développe aujourd'hui dans les tiers-lieux, les Fab Labs. Voilà, donc ça, c'est une activité aussi qui est importante, qui me prend du temps, mais qui est aussi importante. Alors, donc, sur le selfie, qu'il est important, donc, de mettre en avant, c'est que c'est une pratique depuis donc les mobiles, c'est-à-dire les téléphones mobiles et les smartphones des plus jeunes, donc avec des taux d'équipement au lycée extrêmement importants, on est vraiment sur du plus de 90. Au collège, on est sur du 86%.
Donc là, si on se réfère à l'enquête Crédoc-Arcep de décembre 2017, d'abord, on a un taux d'équipement général de la population qui est autour de 60%, et on a des taux d'équipement 80-90% chez les 13-19 ans. Voilà. Et donc le selfie est pratiqué depuis les mobiles, les smartphones, et depuis ce qu'on appelle aussi donc est partagé depuis aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques et aussi plus spécifiquement les applications de messagerie sociale qui sont Snapchat et aussi Instagram, qui ne sont pas complètement analysables par rapport à ce qu'on connaît d'Internet et de l'hypertexte. Et c'est aussi donc cette dimension qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire on a tendance à aligner la compréhension et l'analyse de ces pratiques autour du selfie comme finalement une pratique numérique comme une autre, et avec évidemment tous les outils d'analyse qui ont été forgés autour de ce qu'on appelle le web, et notamment l'hypertexte, donc la textualité propre au web. Et ça n'a pas complètement à voir, puisque les applications de messagerie sociale proposent une autre textualité et sont pratiquées finalement autrement. Ce n'est pas complètement la même technologie, voilà, la même histoire technologique. Et, voilà. Donc, et on n'a pas complètement le même usage parce qu'un mobile, par définition, il est mobile. Donc, c'est un écran, comme je dis, qui est plutôt un écran scripteur ou une caméra stylo, c'est-à-dire que les plus jeunes, ils vont plutôt vivre avec ces mobiles et pas devant l'ordinateur. Et donc, le fait d'avoir un écran qui est aussi une caméra stylo, c'est-à-dire où on peut à la fois visionner, mais aussi on peut composer des messages. Donne une autre attitude évidemment vis-à-vis des 10 écrans et de la possibilité en effet de d'écrire comme disait Barthes. Donc on est plus dans ce qu'on appelle l'écrivant que l'écriture, mais il y a cette possibilité de composer des messages qui donc ont une spécificité sémiotique parce qu'on est un peu dans ce qu'on appelle l'audio, mais surtout le scripto-visuel, c'est-à-dire qu'on va composer des messages qui vont souvent utiliser le selfie comme une page blanche et sur lequel on va ensuite composer des emojis, rédiger une barre textuelle, pouvoir redessiner sur l'image, pouvoir aussi parfois micro-animer ce selfie, c'est-à-dire faire à travers des applications qu'on appelle donc le Boomerang, par exemple, qui permettent de bouger l'image. On va pouvoir donc utiliser des filtres animés ou pas, donc qui sont un petit peu comme des masques, hein, voilà. Donc on a ce qu'on appelle la constitution d'un mob texte, vous voyez, d'une textualité propre finalement à ces applications, à ce que ces applications mobiles permettent de composer, voilà. Donc dans l'histoire sémiotique, on va dire qu'on est dans ce qu'on appelle la seconde visualité et que les mobiles permettent justement d'avoir une révolution un peu de l'écrivant, là où l'imprimerie assure un petit peu la révolution de la lecture à son apparition. Là, on est un petit peu dans ce qu'on appelle une révolution de l'écrivance, pour reprendre Barthes, c'est-à-dire une généralisation de la possibilité d'écriture au quotidien, de composition de messages, mais qui ont une dimension justement, on va dire, créative et récréative, et c'est ce qui est extrêmement prisé en fait par les plus jeunes quand on les interroge. C'est aussi cette possibilité de s'amuser tout simplement avec des images et aussi des mots. Donc cette dimension de composition est mise en avant dans les entretiens. Cette idée du mobile qui est une révolution de l'écrivance, de l'écriture au quotidien, parce que ça va élargir la possibilité de qui peut accéder à l'écriture au quotidien, l'écriture ordinaire, qui aussi, donc c'est notamment les sujets mineurs, hein, c'est justement nos élèves,
qui peuvent accéder à cette capacité d'écrire au quotidien, de composer des messages. La révolution du camp, ben, on sait bien qu'elle est un peu problématique parce que de fait, comme on vit avec des écrans qui sont aussi des écrans caméras stylo avec lesquels on peut justement envoyer des photos, partager, composer des messages, les envoyer, partager sur des cercles de plus en plus public, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à Twitter et puis le cercle plus restreint, ça va être Snapchat, qui est de la messagerie. Eh bien, voilà, ça fait que finalement, on écrit en même temps qu'on est en train d'agir. Et donc, il y a une sorte de synchronicité entre finalement vivre et puis capter, mettre en scène la vie et sa vie ordinaire. Et donc, ça, c'est aussi un changement et qui peut aussi avoir des effets problématiques. Et puis la révolution du comment, bon, bah, c'est un peu ce que j'ai dit, ça compose une nouvelle textualité assez spécifique et qui est vraiment une textualité extrêmement métissée dans l'histoire des signes. On va, par exemple, l'emoji qui est un mot, comme on dit, mot-image qui vient du Japon, des téléphones du Japon, ben, c'est un mélange avec une écriture alphabétique. Donc, il y a des écritures idéographiques, alphabétiques, des pictogrammes et du scriptural qui vont s'indifférencier. Donc, on est vraiment dans un mix sémiotique assez inédit et qui est intéressant à étudier en tant que tel. Et là-dedans, le selfie, pour moi, il apparaît justement comme une page blanche, en fait. Ce n'est pas un miroir, c'est vraiment une page blanche à partir de laquelle on peut composer un message. Et souvent, quand on interviewe les plus jeunes sur pourquoi tu fais du selfie et pourquoi tu composes pas un message à partir, je sais pas, d'une photo qui va être un paysage, un objet, vous disent ben, finalement, son visage, on l'a toujours sur soi, en fait. Voilà. Donc, quand on veut envoyer un message, ben, finalement, on prend un selfie parce que c'est soi qui parle à un autre. Et donc, on est bien dans cette logique de l'application de messagerie sociale, c'est-à-dire qui utilise un téléphone. Donc, on est bien dans cette ontologie du mobile où il s'agit de communiquer entre deux individus. Et finalement, au lieu de communiquer par voix interposée, on va communiquer par visage interposé. Donc, on est bien un petit peu dans cette ontologie, hein, du mobile. Il s'agit de communiquer à distance. Mais là, sous une forme justement renouvelée, qui n'est pas seulement la voix, mais qui est justement cette seconde visualité. Ça a l'air de l'image, mais c'est plutôt un composite d'images-textes avec justement une indifférenciation image, iconique, scripturale, etc. Donc, il faut jamais oublier, voilà, que à partir du moment où le selfie est pratiqué depuis le mobile via des applications de messagerie sociale, il a plus une fonction communicationnelle, c'est plus un support de communication qu'une icône, par exemple, qui est censée vous représenter de façon plus ou moins justement esthétique. D'abord, un petit mot sur le selfie en général. À partir du moment où en effet le selfie est pris à travers un mobile, alors soit l'appareil photo du mobile, mais de plus en plus en fait les applications de messagerie sociale utilisent votre caméra. Et donc finalement, c'est depuis souvent les applications de messagerie sociale, type Snapchat ou Instagram, que vous allez donc réaliser la photographie. Et donc par exemple le selfie. Et voilà. Donc, dans les deux cas, le selfie, il est typique en fait de la photographie mobile. Moi, je dis souvent, c'est le genre typique de la photographie mobile. Et si on reprend cette ontologie du mobile, de justement cette possibilité de photographier en mobilité, un peu justement comme autrefois l'appareil photo, hein, on retrouve plusieurs filières, on va dire, techniques, socio-techniques. Avec le selfie. Donc l'appareil photo du mobile, il a intégré à la fois la possibilité de photographier en effet en mobilité et aussi utilise le téléphone mobile qui est utilisé pour communiquer à distance. Donc on a une ontologie de la photo mobile comme relevant plutôt
de ce qu'on appelle l'indice que de l'icône, c'est-à-dire il s'agit aussi de signifier où l'on se trouve. Donc par rapport à la pose de l'autoportrait, par exemple, qu'on va trouver dans l'histoire de l'art, dans la peinture, avec le mobile, on est plus, dans la photo mobile, on est plus dans ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire il s'agit plutôt de signifier que l'on est ici et que l'on est avec, et donc on est plus dans ce qu'on appelle un index de présence qu'une icône de soi. Hein, on indique qu'on est ici, on indique qu'on est avec. Voyez? Donc on est plus dans l'image indice que l'image icône si on reprend un petit peu les distinctions de sémiotique. Donc c'est un index. Il y a plusieurs sortes de signes, des signes de ressemblance, l'icône ou l'indice qui est un signe de continuité, la relation qu'on a avec l'image et ce qui est censé être présenté, c'est une relation de contiguïté. Donc, la photo mobile indique que l'on est ici et que l'on est avec. C'est aussi pour cette raison que le selfie est utilisé comme une page blanche, c'est-à-dire on va redessiner sur soi, on va composer un message à partir du selfie, mais qui a aussi cette fonction de signifier qu'on est ici, qu'on est avec sa meilleure amie, qu'on est avec son petit ami, mais il y a cette fonction d'index et pas d'icône. Donc on dit souvent, voilà, on passe de la pose à la localisation. Ce qui est intéressant aussi dans le selfie, c'est qu'on a aussi une inversion en fait des hiérarchies dans la prise de vue, si on se réfère à par exemple l'histoire de la photographie, puisque dans un selfie, donc j'ai mis quelques exemples qui n'ont pas des exemples juvéniles, mais qui ont été des exemples assez médiatisés, notamment le selfie de Obama et Hollande à la Maison-Blanche qui a fait scandale parce que justement il y avait une hiérarchie qui a été inversée. Puisque dans une photographie de presse officielle, les présidents légitimement sont au premier plan, et là, donc, ils sont relégués à l'arrière-plan, et c'est le preneur de vue qui est donc ici Thomas Vider, je crois, et qui était donc mis au premier plan, et donc ça avait fait scandale, puisque un simple journaliste, finalement, se mettait au devant. Des présidents. Mais c'est ça qui est aussi typique du selfie comme relevant de la photographie mobile. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est un indice, eh bien, il signifie je suis ici et qui est avec moi ou qui est là est souvent relégué au second plan, puisque il y a une sorte d'extension en fait de la photo au sujet. Puisque c'est le sujet qui prend la photo à la main, et donc la photo indique qu'il est présent au monde à cet endroit. Et finalement, c'est ce sujet photographiant qui est au premier plan, et si les personnalités sont reléguées au second plan, eh bien c'est aussi typique de cette ontologie du selfie. Donc ce n'est pas un geste narcissique de se mettre en avant-plan, c'est vraiment finalement l'ontologie de la photo mobile qui est donc du selfie. Qui vous situe donc au premier plan. Et donc, c'est pour cette raison que je dis souvent que le selfie, c'est aussi un portrait de soi dans le monde, puisque ce qui est finalement le plus mis en valeur, c'est à la fois vous, mais la personne à vos côtés. Et également, ce qui est mis en avant, c'est vous et la personne à votre côté, donc la personnalité, votre meilleur ami, etc. Et tels qu'ils sont donc placés dans le monde. Donc le paysage, par exemple, n'est plus le photographié, mais va devenir donc finalement un arrière-plan, un décor finalement, mais dans lequel votre présence au monde s'inscrit. D'accord? Voilà, donc ça c'est important d'avoir ces éléments en tête quand on travaille sur le selfie juvénile. Alors, des exemples de selfies pris par notamment l'application Snapchat. C'est véritablement voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le selfie comme une page blanche pour écrire à la fois sur soi, mais à propos de soi, comme étant justement dans le monde avec d'autres amis, d'autres petits amis, etc.
Et donc, on est un petit peu ce qu'on est dans. C'est la première personne mobile qui va s'exprimer. Donc, ici, vous avez des exemples de ce que j'appelle le métissage des signes, c'est-à-dire de l'écriture, une image, du graphisme, la bande textuelle, le graphisme, le selfie comme page blanche à chaque fois, du graphisme, un selfie, les masques. Alors ici, ce sont des masques qui sont des masques visuels, mais parfois sur Snapchat, vous avez des masques qui peuvent être aussi sonorisés. Donc il y a une sorte de sonification qui est intéressante. Pour l'anecdote ou pas, ce filtre, je ne sais pas si vous le voyez là, le filtre de cracheur de feu, a été utilisé par un journaliste en Inde qui utilise justement Snapchat, donc ce qu'on appelle tout le mobile journalisme qui se développe, et pour anonymiser des femmes qui témoignaient contre les violences sexistes, enfin qui avaient été victimes de violences sexistes, il a utilisé ce masque. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir comment des pratiques qui sont souvent voilà, plutôt exercées par les plus jeunes vont inspirer par exemple des journalistes mobiles. Ici, vous avez donc là pour le coup pas un selfie, mais une photographie prise par un mobile dont on reconnaît à sa verticalité aussi, ça c'est aussi intéressant. C'est une esthétique un peu du trou de serrure, c'est-à-dire on observe par une petite lunette en fait hein, le monde. Eh bien, il y a des emojis donc qui ont été ajoutés. Donc comme voilà. Donc ça c'est un exemple de métissage des signes qu'on peut donc observer donc dans des 10 selfies. On voit bien qu'il s'agit plutôt de messages composés qui sont adressés à d'autres, mais qui sont aussi composés en tant que tels, voyez. C'est intéressant, ce n'est pas simplement un message qui va être fonctionnel, il y a une dimension esthétique et créative qui est à l'œuvre, et c'est ça évidemment qui est prisé. Un autre exemple sur le temps notamment dans l'application Snapchat, qui a été un petit peu le laboratoire de ce mob text et la façon dont le selfie est utilisé comme une page blanche. C'est donc la possibilité en fait de programmer la réception du message, qui est souvent donc un selfie qui est retravaillé avec différents signes. Donc l'intérêt qui est signalé par les interviewés, c'est aussi la possibilité de donc programmer la réception du message et de créer des effets donc de suspense, des effets de coup de théâtre, ce qui est souvent appelé le full drama, c'est-à-dire une possibilité de dramatiser en fait, de mettre en scène, de créer des petites dramaturgies du quotidien, notamment par ce temps de programmation du message jusqu'à 10 secondes. Ici donc je restitue un cas d'usage qui était donc une jeune fille qui se prend en photo à la gare du Nord devant le tableau des départs, qui n'existe plus d'ailleurs, et puis qui programme à 5 secondes son selfie. Et donc je lui demande ce qu'elle est en train voilà, de faire, etc. Et elle m'explique que c'est la première fois qu'elle part à Londres, donc elle était lycéenne à Saint-Denis. Et donc elle photographie le tableau des départs, elle met 5 secondes comme temps de réception, et comme ça au lycée, on va se demander où je suis partie, ça me fait rire d'avance. Donc voilà, cette idée de d'écrire donc au quotidien, c'est-à-dire de composer un message, mais aussi d'aménager le temps de réception de ce message, et tout ça contribue justement à créer des petites dramaturgies du quotidien qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense en général du selfie comme relevant du narcissisme. Qui serait typique de la société contemporaine. Voilà, et ce qui me fait dire que justement parce que les jeunes vivent avec des écrans qui sont des caméras stylo, ça c'est d'autres exemples de selfies que je pourrais donner, avec cette possibilité justement de, si on prend ces deux exemples, la Thug Life et moi quand je vois les devoirs que j'ai à faire, on a la possibilité de transformer une existence assez banale, hein, puisque
ce sont des jeunes collégiens, des jeunes lycéens, donc ils passent beaucoup de temps en fait dans les établissements scolaires, dans leur famille, en extrascolaire, mais voilà, qui ont une vie extrêmement routinière. Et bien, donc de la transformer créativement, donc par le biais justement de ces applications de messagerie sociale, c'est à la fois là, qui permettent de composer des messages, de les partager et de converser par l'intermédiaire de ces textes qui ont une particularité quand même d'être assez riches du point de vue sémiotique. Et donc, il y a cette idée que ce sont des screenagers, c'est-à-dire ils vivent avec des écrans et avec ces applications de messagerie sociale qui utilisent le selfie comme page blanche, ils créent ce qu'on peut appeler à la suite de l'artiste Marcel Duchamp des petits ready-made, c'est-à-dire transformer le banal en justement petite œuvre, ce que le philosophe Michel Foucault appelait la possibilité de styliser son existence, donc d'avoir un rapport stylistique à l'existence, et donc d'être dans cette esthétisation en fait du quotidien, dans cette esthétique du banal. Ça, c'est des exemples hein, autour du selfie. De fonctionnalité qu'est l'ego filtre. Voilà, donc ça, ce sont les usages. Je crois qu'il y avait une question sur ce qu'on peut, comment on peut utiliser le selfie aussi en classe et comment il peut devenir aussi un support. Donc, on voit bien qu'il y a un support au plan notamment créatif, hein, puisque évidemment, il y a cette possibilité de composer des messages assez riches, de jouer avec les signes, l'image, etc. Il y a également tout un usage du selfie qu'on appelle selfie protestataire, puisque c'est un portrait de soi dans le monde. C'est-à-dire, c'est un indice de sa présence au monde. Eh bien, ce monde-là, ça peut être un monde aussi qui est un monde en mouvement, un monde dans lequel on se mobilise, un monde dans lequel justement, un monde que l'on critique. Et vous avez donc tout un usage protestataire du selfie, avec cette idée que c'est un sujet qui va justement produire un discours sur le monde dans lequel justement il est présent, il est menacé, il est dominé, il est abusé. Voilà. Et donc vous avez quelques exemples, il y en a énormément. Donc là, c'était par exemple dans les manifestations en Turquie, quand il y a eu l'occupation de la place du parc Gezi. Ici, c'est un groupe de jeunes birmans qui justement réalise un selfie pour ce qu'on appelle l'arrêt en fait de la répression des minorités religieuses. Donc c'est un selfie qui veut montrer à la fois la diversité du peuple birman aussi au plan des religions. Donc un selfie pacifiste. Ici, c'était donc pour protester contre l'interdiction qui pouvait être, mais qui n'a pas eu lieu, hein, de la remise en cause du droit à l'IVG en Espagne. Donc, vous avez toute une campagne sur Instagram avec un tag, c'était IVG, c'est mon droit. Et donc, il s'agissait par exemple de prendre un selfie, mais pas seulement de son visage, mais par exemple du ventre qui porte les enfants. Là, c'est donc autour, je sais, en Tunisie, ça c'est une campagne assez ironique puisque c'est le ministre du tourisme ou la ministre du tourisme en Tunisie à l'époque réalisait énormément de selfies et donc là c'était pour montrer l'état en fait du pays notamment au plan de la collecte des ordures et des déchets et donc les habitants réalisaient des selfies devant leur poubelle, ça s'appelait selfie poubella. Donc, pour protester justement et se moquer de l'usage narcissique du ministre, mais aussi pour protester de l'état en fait du pays vis-à-vis du déchet, la collecte des déchets. Ici, donc, ce sont des scientifiques qui se sont prises en photo, en selfie, pour se moquer justement de cette façon de voir souvent le selfie comme narcissique, où on est censé être dans la pose la plus magnifiée de soi.
Et donc, dans leur habit de travail, pour montrer, bah oui, quand on dit une femme scientifique, on n'est pas forcément Kim Kardashian. Et donc, on a voilà, un des vêtements qui nous permettent de réaliser notre activité. C'est aussi une promotion de la femme scientifique. Bon, voilà, là, c'était autour du cancer, hein, du cancer du sein, donc des femmes qui posaient. Telle que la maladie, évidemment, pouvait les abîmer. Voilà. Bon, beaucoup d'exemples, voilà. Et puis, il y en a tous les jours des exemples de selfies protestataires, donc, qui permettent justement de signifier que l'on est dans. De signifier un problème et de le signifier justement en se mettant en scène dans le problème, vous voyez, en étant un. Comme un des acteurs qui va justement mobiliser autour de ce problème public. Et un autre usage qui peut être intéressant du selfie, c'est tout ce qu'on appelle justement le développement des arts mobiles, c'est-à-dire le selfie, d'une certaine façon, c'est une page blanche justement sur laquelle on va écrire sur soi et à propos du monde avec le selfie protestataire. Et il y a aussi cette idée qui se situe dans une longue histoire de l'art qui est l'histoire aussi de l'autoportrait. Au Québec, on dit égoportrait, par exemple, hein, pour ne pas utiliser le terme anglais. Donc, dans cet égoportrait qui se situe aussi dans l'histoire de l'art et de la tradition donc, picturale du genre autoportrait, eh bien, il y a toute une scène en fait, qui s'est développée autour des arts mobiles et avec cet outil qui est l'application mobile, soit qu'on fait réaliser par des développeurs, soit que l'on utilise en allant puiser dans l'offre du marché des applications mobiles, eh bien, vous avez tout un usage, en effet, avec une intentionnalité plus, non pas simplement esthétique, mais beaucoup plus artistique qui existe. Et donc, je vous ai donné. Il n'y a pas que des exemples de selfies, mais ici, par exemple, vous avez un groupe qui est le groupe Mobile Camera Club, qui réalise des expositions autour justement de ce qui peut être réalisé avec différents outils, notamment les applications mobiles, mais qui peuvent être réalisées avec donc des mobiles, des smartphones ou des tablettes. Et donc, ils avaient réalisé une exposition qui s'appelait Avatar Autoportrait autour justement de différents selfies, mais qui étaient des selfies, on va dire, artistiques. Ici, vous avez aussi ce qu'on appelle le snap art qui se développe, c'est-à-dire on a vu que les plus jeunes avaient une certaine créativité dans la façon dont étaient composés les messages à partir des selfies. Et bien là, on voit bien qu'on peut aller plus loin hein, dans. L'usage plus artistique des selfies sur Snapchat, puisque le selfie est un peu par défaut sur Snapchat, hein, puisque l'application s'ouvre sur une prise de vue de votre visage. Et ici, voilà, donc vous avez un petit composeur d'images qui a été réalisé à partir d'emojis, et donc qui est aussi une façon de se moquer des selfies pris à tout bout de champ par Kim Kardashian, qui est une célébrité. Assez connu dans le monde justement des applications de messagerie sociale type Instagram. Donc un portrait un selfie de Kim Kardashian, mais retravaillé donc avec des emojis. C'est une plaque, un composeur d'emojis qui vous permet de réaliser à partir de votre selfie, un peu comme les ASCII autrefois. Là voilà, on recompose son selfie à partir donc de tout un ensemble d'emojis. Et là, c'est donc un selfie qui est réalisé. Par un photographe, qui utilise donc différentes applications qui permettent voilà, de glitcher l'image, etc. Donc, pour vous, ce qu'on appelle des combos. Voilà. Et pour vous dire voilà, qu'on peut avoir un usage purement artistique, en fait, du selfie et de tous les signes. Qui peuvent être aussi mixés à cette photographie, à ce portrait de soi photographique, et donc donner lieu à des usages artistiques. Et il y a donc toute une scène artistique qui s'est développée avec donc des artistes qui commencent à
à être reconnu, comme par exemple ici le MAM, Mouvement Art Mobile, avec donc Isabelle Gagné, Sven Berudan, par exemple, qui réalisent des applications et des ateliers et des expositions et des ateliers au Québec autour justement des arts mobiles et notamment du selfie artistique. Et donc, de tout ça, on va en parler justement dans un ouvrage que je viens de coordonner qui s'appelle Mobile, enjeux artistiques et esthétiques, où on parle justement de tous ces usages à la fois esthétiques mais aussi artistiques, notamment du selfie. Voilà, si vous avez des questions, ce que je peux dire dans un premier temps. Je suis commissaire documentaliste et lorsque l'on parle avec les élèves, on évoque beaucoup tout ce qui est protection des données, forcément, tout ce qui est un peu risque, mais aussi bien sûr aussi avantage, parce que tout ce que l'on peut faire avec, on essaie de ne pas diaboliser l'outil. Là, par rapport au selfie, vous avez donné des pistes qui me semblent intéressantes. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi quand même aussi un rôle à jouer par rapport aux selfies, surtout avec les plus jeunes, par rapport à l'image de soi que l'on véhicule tout de même? Notamment donc les collégiens. Moi, je distingue quand même collégiens et lycéens dans les usages du selfie et des applications de messagerie. Parce que d'une part, il n'y a pas, on n'a pas le même type d'activité, le rapport aux autres, notamment tout ce qui est justement ensuite de l'ordre de la séduction et ensuite des relations amoureuses, ne sont pas complètement les mêmes, par exemple, en sixième et en troisième. Donc, disons, si on commence par s'intéresser aux usages des collégiens, notamment donc sixième, on observe que ce qui est souvent utilisé et ce qui est souvent apprécié dans Snapchat, c'est donc la fonctionnalité des filtres, d'accord? Et Snapchat met à jour quasi toutes les semaines des filtres. Et donc là, on est plus justement dans l'usage du déguisement, du travestissement qui poursuit finalement toutes les pratiques des tout petits, des petits, hein, sur le fait de se déguiser, de s'inventer un personnage, du rôle justement qu'a le travestissement aussi dans la construction de l'identité. Donc, on n'est pas véritablement dans un usage de mise à nu ou de séduction du selfie qu'on peut trouver ensuite un peu plus tard, notamment à travers aussi des selfies qui vont mettre en avant aussi des parties un peu plus dénudées, etc. Donc, qui est une autre question. Donc, disons au collège, il y a aussi beaucoup plus cet usage créatif, récréatif, on va dire, avec les masques. Il s'agit essentiellement de s'amuser, sachant que sur Snapchat, on a affaire à de la messagerie sociale. On n'est pas sur du réseau social public à la Twitter, par exemple, ou même semi-public à la Facebook. On est sur de l'interaction interpersonnelle ou entre petits groupes. Et Snapchat est utilisé aussi pour communiquer avec son cercle de premier contact, c'est-à-dire la sociabilité, elle s'exerce par petits cercles. Le plus petit cercle, c'est celui justement de Snapchat. Ensuite, il y a un cercle agrandi qui est sur Instagram, puisque les deux applications sont usitées en ce moment de façon un peu similaire, sachant qu'Instagram a totalement fait du reverse sur Snapchat, donc a développé à peu près toutes les fonctionnalités qu'on trouvait sur Snapchat. Mais justement, il y a encore énormément de fonctionnalités qui ne sont pas soit déclinées sur Snapchat. Et j'ai remarqué que souvent Snapchat, c'est utilisé comme un peu la palette, hein, c'est là où on va composer son message, l'envoyer à ses plus proches. Et ensuite, peut-être, si on trouve que c'est réussi, eh bien, l'envoyer sur Instagram pour que ça soit vu par un cercle élargi. Il y a aussi que sur Snapchat, il y a une grammaire du lien qui existe aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le langage des flammes. C'est-à-dire que si vous n'interagissez pas tous les jours avec soit votre best friend, votre réseau de meilleurs amis, soit votre petite amie, vous n'avez pas de flammes qui s'ajoutent. Et donc, vous avez toute une grammaire du lien social, et c'est aussi un problème, mais bon, il y avait toute une grammaire du lien social qui est adossée en fait
à ces emojis qui sont de diverses natures, mais dont le plus précieux est la flamme. Et donc, obtenir des flammes, garder la flamme, c'est aussi manifester l'intensité du degré d'amitié que l'on a avec sa meilleure amie ou du degré d'amour qu'on a avec son petit ami. Et ça, c'est aussi important à prendre en compte. D'avoir finalement une mesure en fait du lien qui est livré en même temps que se nouent les interactions. Et donc, c'est là, dans ce cadre que s'échangent donc ces selfies qui sont donc essentiellement retravaillées avec des masques et qui finalement sont des échanges qui ont lieu plutôt sous le mode interpersonnel puisqu'on est sur de la messagerie sociale. Donc, c'est vraiment important de connaître bien les usages pour ne pas finalement imaginer que dès qu'on prend un selfie sur son mobile, il est exposé sur Twitter de façon totalement incontrôlée. Parce que c'est justement ne pas voir là où les problèmes existent véritablement, notamment cette captation de l'attention qui a lieu, puisque tous les jours, on va nourrir en fait l'application de messages, notamment sur Snapchat, pour garder la flamme. Et ça me semble assez problématique, justement, en termes de temps capté, de données capturées qui sont rendues possibles là, par cette fonctionnalité, notamment de la flamme sur Snapchat. Donc c'est pas pour bien sûr on doit avertir des risques, mais en connaissant bien les usages. Et c'est pour ça que j'insiste lourdement, c'est un réseau social, si vous voulez, mais qui est plus de l'ordre de la messagerie interpersonnelle. On n'est pas sur du réseau social public à la Twitter. Même si on voit bien sûr passer des screens, comme on dit, de Snapchat ou d'Instagram sur Twitter. Donc là, on est justement dans des cas où on va publiciser un message qui n'avait pas lieu d'être et on est presque dans finalement une violation de la correspondance privée. Et ça, c'est aussi un problème qui doit être signalé. Donc, c'est pas tant ne pas se prendre, ne pas se selfier, mais garder justement cet usage interpersonnel de communication entre amis du selfie et que l'exposition publique d'un selfie qui n'a pas été conçu pour tel est une violation du secret de la correspondance. Et que screener à l'insu, mais on le sait toujours puisque c'est notifié sur Snapchat, mais screener un selfie et le publier relève est un acte délictueux. Et pas moralement, il est moralement problématique et en plus on est dans la violation de la correspondance privée. On a remarqué en faisant des recherches sur le sujet que depuis 2014, le selfie revenait constamment dans les publicités. C'est logique hein, que le marketing finalement s'adosse un petit peu aux pratiques des plus jeunes lorsqu'ils veulent les cibler. Et puis évidemment, le selfie vraiment est emblématique hein, de cette culture mobile puisque c'est un genre qui est né de la photographie mobile. Hein. C'est le genre typique, ce qu'on disait tout à l'heure, l'ontologie du selfie, elle est liée à l'ontologie du smartphone. Et le smartphone, c'est l'équipement numérique le plus répandu en fait, hein, donc chez les plus jeunes, puisque on est sur de 86 à 96, à 93, hein, dans les 13-19 ans. Donc, c'est finalement leur outil de communication avec, par exemple, il y a un tag, je dis souvent un peu, c'est le compagnon d'existence, hein, parce que justement, c'est cet outil qui permet d'avoir cette pratique d'écriture au quotidien, de vivre avec justement cette caméra stylo, et qui donc est la plus répandue. Notamment en France, mais et aussi dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Et donc, vous avez un tag qui s'appelle What in my phone, qui est une occasion hein, de citer des marques de téléphone. Hein. Évidemment, c'est né des blogueurs
et des blogueuses mode, ce qui était What in my bag. Et donc là, maintenant, c'est What in my phone. Et donc, vous avez en France, par exemple, en francophone, 71 millions de résultats où vous avez des petites vidéos, où vous avez des collégiens, des lycéens, des étudiants, des influenceurs, etc., qui déballent en fait leur mobile, ce qu'ils ont dans leurs applications, etc. Donc on voit bien vraiment la façon, voilà, donc c'est un outil de communication, mais aussi un outil d'expression, un outil d'écrivance hein, au quotidien, l'importance sociale qu'il a donc pour les, pour notamment hein, pour les plus jeunes. Donc c'est évidemment pour le marketing mettre en scène des selfies, c'est évidemment s'adresser à la pratique la plus répandue que l'on exerce avec ce smartphone qui est extrêmement extrêmement généralisé, utilisé tout au long de la journée pour justement composer, s'envoyer des messages, justement transfigurer ce banal en utilisant des masques, faisant des petits effets de bouger, en composant voilà des petits messages pour garder la flamme. Et donc voilà, comme vous disiez, le plus problématique, c'est justement cette captation de l'attention des élèves avec cette récompense qui est la flamme, donc un peu ce qu'on appelle aussi le design de l'addiction, hein. C'est-à-dire comment, à travers tout un ensemble de fonctionnalités, de propositions qui ont l'air hein, en effet créatives, amusantes, très créatives, on prend du temps de cerveau disponible pour aux plus jeunes. Et donc, évidemment, le marketing, forcément, met en scène, s'adosse à cette pratique qui est totalement massive et ce selfie qui est emblématique de cette culture mobile juvénile. Le marketing. On n'attend pas moins ça du marketing. Hein. Et les emojis, pareil, un usage des emojis extrêmement abondant, puisque l'emoji, c'est également un des signes les plus utilisés, soit en les associant au selfie, soit dans des messages où c'est à la fois l'émoticône, mais aussi les petits mots images qu'on va utiliser. Pour composer des messages parfois absurdes, parfois amusants, etc. Il y a tout cet aspect récréatif, les masques, etc., le fait de s'amuser tout simplement avec son mobile, hein, parce que c'est ce qui se passe chez les préados et les collégiens qui va cesser. On est sur des usages qui peuvent être un peu plus sérieux, et notamment, bah, ça va passer aussi par tout ce qui est. Usage beaucoup plus sexualisé en fait hein, des mobiles, donc ça va aussi rentrer dans ce qu'on appelle la conversation amoureuse, enfin, ça, qui a toujours eu ses supports et ses genres, etc. Hein. Lettre d'amour, de la lettre d'amour au nude, on est quand même voilà sur cette idée de communiquer avec l'être cher, mais donc, ce qui est assez, enfin, ce qui, dans les entretiens, par exemple, ce qui revient, c'est aussi cette possibilité, bah, bien sûr, hein, le jeu de la surprise, l'érotisation, hein, de la relation par le temps de réception, le jeu du cadrage aussi, qui est mis en avant, c'est-à-dire, cette possibilité, justement, comment dire, de se composer un corps aussi, hein, d'écrire sur son corps, hein, c'est-à-dire de cadrer ses beaux yeux verts, et alors que, par exemple, on a un corps qu'on n'estime pas complètement dans la norme. Donc il y a aussi ce travail de composition sur son corps, d'écriture de soi, qui est aussi mis en avant. On dit ah, ben, moi j'ai des beaux yeux verts, alors ben, moi souvent je cadre les yeux. Et qui permet justement aussi bah d'avoir une action en fait sur son corps, de ne pas simplement être parfois aussi de prendre de l'assurance, etc. Ça, c'est les bons côtés. Après, évidemment, il y a tous les usages que je disais, bien sûr, hein, de screener, d'avoir accès à des messages qui ne vous sont pas adressés, de les screener, et donc tout le chantage qu'on peut faire. La possibilité ensuite, en cas de rupture, de conserver, bien sûr, hein, vous connaissez ça par cœur, hein, de conserver les messages et de parce qu'on les a screenés ou parce qu'ils étaient sur Instagram ou parce qu'ils ont été enregistrés dans votre mobile.
Et donc, de pouvoir évidemment faire du chantage affectif, du cyberharcèlement à partir de tous ces contenus, hein. Donc, après, on peut avoir évidemment la possibilité, mais voilà, d'être dans des relations qui sont beaucoup plus malveillantes, alors qu'elle n'est pas, à départ, et dans le contexte, c'était plutôt des messages qui étaient des messages pris dans des contextes bienveillants, des contextes affectueux, etc. Et donc, il y a toute cette. Tous ces mésusages hein, qui sont rendus possibles, évidemment, et qui sont de moins en moins en fait récréatifs, de plus en plus sérieux, forcément. Après, vous avez donc des usages plutôt autour de la séduction. Bon, évidemment, quand on parle de narcissisme, il faut savoir que bah, le narcissisme, notamment au moment du stade du miroir, c'est de l'étayement, en fait, hein, comme on dit, si on veut être dans un registre plus psy. Psychologisant et psychanalytique. Et donc, quand j'ai dit, ben voilà, dans des relations de séduction, on va cadrer une partie du corps de soi que l'on voilà, que l'on estime bonne à montrer, belle à montrer, il y a aussi l'idée de. C'est quand même aussi un support de mise en confiance vis-à-vis, notamment de son corps, de sa corporéité. Et donc, ce narcissisme, il peut aussi être utile pour de l'étayement, de la confiance. Voilà. Mais sachant que la photo mobile relève plus de l'indice, hein, le selfie relève plus de l'indice que de l'icône, et que c'est plus de la page blanche que du miroir, c'est vrai qu'il voilà, n'y a pas à non plus surestimer ces usages narcissiques, même dans. Les âges plus que l'on rencontre au lycée, donc partir donc de 14, 18, mais voilà, c'est un petit peu la différence, mais vraiment avoir en tête qu'on est vraiment dans de l'index et pas de l'icône, quoi, que c'est vraiment une page blanche que justement sur laquelle même si ça a l'air d'être un miroir, c'est un miroir qui va être un miroir grossissant, un miroir embellissant, mais au bon sens du terme, d'abord, c'est-à-dire d'abord pour soi, pas forcément pour les autres, mais d'abord pour soi, pour se mettre en confiance dans les relations amoureuses. Il y a quand même ces usages-là qui sont des usages non pas narcissiques, mais des usages d'étayement narcissique, on va dire. Si vous voulez avoir des exemples un peu d'usages artistiques, donc il y a cet ouvrage-là qui est sorti, hein, qui commence à être mis en vente. Alors, donc qui est paru aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Attendez, oups. Oui, on l'a vu par J'ai. Théorème 29, c'est ça? Oui, je Voilà, voilà. module en fait. Donc vous avez bien sûr, hein, des usages de selfie, mais aussi bah là par exemple c'est le MAM, Mouvement Art Mobile, qui a réalisé la photographie de couverture, donc l'illustration de couverture avec un iPad. Et si on connaît un peu l'histoire de l'invention du cinéma, c'est un clin d'œil à Muir Bridge, qui avait donc réalisé des séries de 12 photographies du mouvement du cheval. Et donc, c'est quand même le début voilà, du cinéma. Parce qu'il y a aussi quelques textes sur les usages de la vidéo mobile, du selfie. Voilà, tout ce qui peut être envisagé en termes artistique autour des mobiles. Vous avez aussi un artiste qui utilise le drone. Le drone est piloté par une application mobile parfois. Donc, qu'est-ce qu'on peut composer comme type d'image ou d'agencement image son par exemple avec le drone, parce que le son du drone est assez particulier puisque c'est un bourdonnement. Voilà, donc toutes les dimensions artistiques des mobiles et notamment des applications mobiles et des réseaux. Et des applications de messagerie sociale hein, qui sont parfois détournées en fait pour des intentions plus artistiques. Voilà. Donc c'est encore un peu méconnu, mais il y a vraiment une scène d'artistes qui se développe, qui est de plus en plus reconnue par notamment bah, les galeries, les musées, hein, les institutions un peu plus traditionnelles de l'art.
Voilà. Mais qui sont nés quand même dans les mobiles et qui sont souvent inspirés par les petites créations des plus jeunes. C'est ça qui est intéressant. Vous avez. Et ce n'est pas que du dessin d'enfant qui va inspirer des peintres. Hein. Là, on est sur des usages qui sont assez innovants, puisque finalement, les plus jeunes sont les lead users, hein, les premiers adoptants de ces applications de messagerie sociale et de tous les possibles créatifs qui sont disponibles. Merci beaucoup. On va se dire au revoir. Oui, d'accord. Et Bon, puis, bah. on va se retrouver sur l'espace Moodle pour travailler ensemble sur ce sujet-là. Normalement, il devrait y avoir aussi, on devrait construire des projets de séances pédagogiques. On vous tiendra au courant. Oui, bah oui, volontiers, Voilà. ouais. Et Entre puis. politique et artistique, il y a de quoi faire pour revisiter le selfie sous Ouais. d'autres, voilà, Ouais, c'est sous ce qu'on a un fait. autre angle que l'angle Ouais. psychopathologisant, médiatico, marketing et D'accord. compagnie. Merci Voilà. Bah, beaucoup, merci Laurence, beaucoup. et belle À journée bientôt. alors.